Eldritch est une nouvelle synergie qui va invoquer un dieu ancien lorsque ton équipe perd 20% de vie sur TFT. Lorsque tu as 3 Eldritch, il invoque le golem, comme tu peux le voir juste en dessous. Lorsque tu as 5 Eldritch, il invoque le Dark Monolith, qui va stunner les ennemis lorsqu'il arrive sur le combat. Comme tu peux le voir, hein, c'est un Malphite qui cale son ultimate. Je le remets un coup. À 7 Eldritch, il invoque le Many-Eyed Beast, qui stun les ennemis. Bon, comme tu peux le voir, c'est Volibear. Je te laisse regarder juste en dessous. Il fait des chaînes d'éclairs sur les ennemis, il fait des dégâts aux ennemis adjacents, et il booste son attack speed. Et je te laisse remater, mais c'est une bête énervée, ce Volibear. Et lorsque tu as 10 Eldritch, donc avec 3 spatules et 10 unités au total, tu invoques Stormbringer. Stormbringer, tu vas le voir, il est sur le côté du terrain, il arrive, il stun absolument tout le board pendant 5 secondes, et ensuite il invoque des éclairs qui vont aller éclater les unités. Clairement, c'est la synergie auto-win du set, un peu comme Ghistory Weaver, si tu arrives à avoir 10 Eldritch avec 3 spatules. Je laisserai ma team fight. Pa 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 pa. Chaque éclair, ça part en match. Il faut aussi savoir que sur Eldritch, il y a une synergie avec les star level de tes unités. Donc plus tu as de star level sur tes Eldritch, donc plus tes unités sont upgrade, plus ton invocation est forte. Actuellement, donc là le PV n'est pas encore sorti quand je tourne la vidéo, hein, donc ça peut encore changer, mais actuellement, ton invocation gagne 25% de vie et 10% d'AP pour chaque star level sur tes Eldritch.